merci. Après la pause, je reçois l'auteur du même de Chateaubriand, Gilles Morin. Il écrit plein de livres, là, entre autres sous la fin du monde, etc. On vous en 2012, parle. 2012, qu'est-ce qui s'en vient? Là, on annonce les Mayas qui annoncent le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Et là, il vient nous parler de. C'est quoi au juste, là? C'est pas pour faire peur au monde. Non, non, il n'a pas raison d'avoir peur. C'est juste une question de se sentir. Je suis avec l'auteur de Léry, M. Gilles Morin. Il a écrit tout plein de livres. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur l'année 2012. Et il a écrit un livre qui s'appelle 2012, Le secret. Tout va s'arranger. Est-ce que tout va s'arranger? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? On va savoir Morin, ça aussi. En 2012, on entend parler de cette année-là charnière. Là, semble-t-il qu'il va se passer quelque chose selon les civilisations Inca et Maya. Mais avant de rentrer dans les détails... Il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'on appelle la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà des grands sages sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que c'est pas la fin du monde en 2012, c'est un ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Télévision du Haut-Richelieu. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif. Plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morin. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Fait que tout doit être dirigé vers le cœur. Puis il y a une histoire extraordinaire qui est en train de se produire sur la Terre actuellement, qui a commencé en 2012. C'était pas la fin du monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Puis il y a une transition qui va se faire de 2012, qui est déjà commencée, jusqu'à 2017. Et ensuite, ça va être 2000 ans d'amour et de paix. Puis les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble, au niveau du cœur. Le cœur, c'est la clé. Il y a un site que je veux... Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connecté hier. On était à 50 000 à travers le monde à envoyer de l'amour à la Terre. Pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Là. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement, ça a un effet sur les individus. Puis plus de gens vont se regrouper, ça s'appelle heart comme cœur, math comme mathématiques, math.org. Les gens, c'est gratuit, mais c'est en anglais. Pour t'amènes des résultats, au moins, tu n'as pas de négatif qui revient. Parce que la loi du retour, tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour, tu sèmes la haine, tu récoltes l'amour. Ceux-ci sont mes livres, mais ce n'est pas ceux-là que je vous parle. Car la planète vit une situation des plus déplorables et nous allons changer de dimension pour amener 1000 ans de paix et d'amour sur cette terre. L'ajustement sera très très difficile. Vous penserez à moi et vous direz tout va s'arranger.